faire ma vidéo tranquille. Non, pas le droit. Déjà, je me suis arrêté quelque part. Il y avait du monde. Là, je m'arrête ailleurs. Il y a encore du monde. Il y a du monde partout. Il y a le gentil monsieur part. Donc, je peux faire ma vidéo. Bon, bonjour à tous. C'est Oxygène. Et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma moto ainsi que de mon équipement. Donc, j'ai essayé de mettre mes gants pour faire un foutage automatique. Ça marche pas. Hein, mes gants tiennent pas sur le support de plaque. Je sais pas comment ils font, mais ça marche pas. Donc, je suis un petit peu... attendez. Voilà, c'est pas plus simple. Voilà. Ouais. Je suis un petit peu couillé, donc il va falloir que je foute manuellement. Mais c'est pas grave. Je le ferai. Je suis désolé d'avance. Hein. Elle est dégueulasse. Je l'ai pas lavé depuis quelques temps. Et parce que je la sors tous les jours, donc c'est rien que je la lave tous les jours non plus. Et puis là, bah, je voulais la laver, mais du coup, je la laverai en rentrant après la vidéo. Donc, on va commencer. On va commencer par présenter la moto. C'est une Ninja 300R ABS. Elle dispose de l'ABS. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette moto? Parce que tout d'abord, je suis en permis A2 et je suis fan des sportifs. J'adore les sportifs. Et directement, je me suis renseigné. J'ai vu Ninja 300R. Donc je me suis dit, c'est celle-là qu'il me faut. J'ai trouvé celle-là, je l'ai achetée et je suis très heureux avec. Attendez, c'est un petit peu chaud comme ce équipement, donc j'ouvre le manteau. Alors, elle est d'origine, à part les poignées qui ont été changées. C'est poignée bracelet. Voilà. Poignée bracelet, qu'est-ce que je raconte? Poignée rhizoma. Voilà. Les embouts, c'est les embouts d'origine. J'ai les poignées rhizoma, enfin les embouts rhizoma, mais ils sont beaucoup plus petits. Et ça ferait très moche déjà que là, c'est pas très bien. Mais je vais voir quand même. Je vais voir pour les installer, pour les fixer. Je vais voir ça. Sinon, oui, si, il y a un truc qui est pas non plus d'origine dessus. Enfin, c'est bon, si, c'est... pas le pot d'origine, c'est installé directement à la sortie de l'usine, enfin à la sortie de l'usine, chez le concessionnaire. C'est le pot Akrapovic, donc là on voit bien que merde c'est chaud, c'est dégueulasse, hein, c'est pas propre, c'est pas bien ça, hein, Oxygène, c'est pas bien, c'est pas propre. Donc voilà, c'est tout ce qui a été modifié sur la moto. Moi après, ben, je me suis acheté un petit support comme ça en velcro pour le téléphone, pour mettre le GPS, parce que c'est pas facile. En fait, on peut pas mettre de support traditionnel sur des guidons bracelets, sur les poignées bracelets. Donc du coup, j'étais dans un magasin, ils m'ont dit non, c'est pas possible, nanana. Et ils m'ont dit par contre, ça fait l'affaire, ça marche. Et en effet, ça marche. Donc, encore quelqu'un. Oui, maintenant, donc la moto, elle fait 39 chevaux, 39,5 chevaux, je ne sais plus exactement, 300 cm3, vitesse de pointe, 180 km/h, en 6e, normal. Ah non, oui, il y a la bulle aussi qui a été changée. Il y a la bulle qui a été changée, bulle opaque, noire, enfin, opaque. On voit à travers très légèrement, noire. Coucou. Tout plein fait 170 kg, donc elle est assez légère, très maniable pour les permis à deux justement quand on débute. Quand on est jeune, c'est très bien. Très légère. Moi, ce que je compte changer dessus, c'est simple, c'est ça. Des commandes, je compte les changer. Je compte en mettre des rhizomas toutes vertes. Les repose-pieds, je compte les changer aussi, toutes vertes. Je suis caché, je l'ai pas vu. Ça, ça a été cassé par l'ancien proprio qui a oublié son bloc disque. Et donc du coup, bah, quand il a fait une marche arrière, ça a sauté. Ouais, de l'autre côté, hop, comment c'est? Et de ce côté, voilà. Bon après, si on le sait pas, on le remarque pas quoi.
si... Enfin, on le remarque là, oui, je suis d'accord. Mais si c'est pas votre moto, si vous ne savez pas, si on vous le dit pas, voilà. On ne sait pas. Maintenant, on va parler de mon équipement. Donc, j'ai des gants DMP Daytona. Enfin, très bien, des gants de piste, tout en cuir. Très bien, bon, il fait un peu chaud quand même dedans. Hein. Je vous cache pas, en plus c'est l'été. Mais j'ai pas non plus les moyens de m'acheter 4 paires de gants pour chaque saison. Donc pour l'instant ceux-là font très bien l'affaire. Enfin, ceux-là font très bien l'affaire. Et puis bah ils me plaisent bien. Ensuite, les bottes. Enfin, c'est les Alpinista SMX Plus. Donc, pareil. J'en ai d'autres aussi d'Alpinista, mais c'est plus des chaussures montantes en fait. C'est plus ce que j'utilise pour aller au travail, quand je vais sortir boire un verre avec des potes, etc. Et ça, c'est vraiment quand je vais faire des balades ou quand je vais faire un long déplacement. En manteau, donc le manteau, c'est un Furigan Power. Voilà, avec les griffes vertes, on voit. Furigan Power. Qui a sorti la moto du coup et le logo Monster en plus, c'est parfait. La dorsale, ma dorsale c'est une All One. Ne me demandez pas le modèle, je ne le connais pas. On me l'a offert, je ne connais pas le modèle, donc je pourrais pas vous le dire. Puis le casque, oui le casque important, le casque c'est un Scorpio Exo 500, très bon casque, hein, léger, confortable, il isole bien du bruit, du vent. Ce qui est juste chiant, c'est que là ici il y a le, je sais pas comment je pourrais appeler ça, le cache-nez, on va dire ça comme ça, là, la protection pour le nez. Quand je baisse, hop, comme ça, quand je baisse la visière soleil, bah en fait il y a un très gros trou entre les deux. Et du coup je me prends tout clair dans, et en fait ça remonte dans le casque et ça va dans les yeux. Donc quand on est en ville ça va, mais quand on passe sur une nationale, dès qu'on monte un petit peu dans la vitesse, c'est fichu, hein. Clairement c'est fichu, on ferme les yeux, il y a les yeux qui pleurent, etc. Donc hop, on baisse la visière. Je sais pas si vous m'avez entendu, donc je dis on baisse la visière. La caméra maintenant. Donc la caméra c'est une GoPro Hero 4 Session. Donc elle est très bien parce qu'elle est pas très chère, hein, je crois que je l'ai payé 230€ je crois, par là, avec la garantie je crois, ou je sais plus, non c'est avec des fixations etc en plus, donc 230€, elle est très bien, bonne qualité, bonne prise de son quand il n'y a pas de vent, quand on est à l'arrêt, par contre dès qu'on roule, bah vous m'entendez absolument pas, voilà, donc c'est pour ça que par exemple dans mon premier motovlog, j'avais branché un micro à mon téléphone pour prendre le son, donc c'était pas de très bonne qualité, mais c'était extrêmement mieux que si jamais je restais avec... salut l'ami. Que si je restais avec avec le micro de la GoPro, parce que bah vous m'aurez pas entendu du tout, donc ça aurait fait une vidéo sans son, c'est génial, on s'amuse, on kiffe ça. Non, c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Donc, enfin... pour finir avec le point négatif de cette GoPro, c'est qu'on ne peut pas brancher de micro. Hein. Y en a beaucoup sur les motovloggers que je connais, que je regarde, qui ont un micro directement branché sur un GoPro parce que c'est la Hero 4 Silver ou la Hero 3 Silver, je ne sais pas. Peu importe, c'est une Hero 4 mais pas Session. Et en tout cas, du coup, eux, il faut que j'arrête de tourner partout, c'est la moto que vous voulez voir. Et en tout cas, eux peuvent brancher directement un micro dessus. Puis voilà, je trouve que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour la présentation de la moto et de mon équipement. Donc si vous avez d'autres questions supplémentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez me les poser, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis bah voilà, kiffez bien si vous avez une moto, si vous n'en avez pas, bah. Continuez de regarder des vlogs et puis passez votre permis dès que vous pouvez. Tout ce que je peux vous souhaiter c'est de l'avoir, vous verrez, c'est pas bien difficile. Et puis voilà, bah, je vous fais de gros bisous. Faites attention à vous. Ride safe et sortez couverts les amis.
Peace.